Santa Maria Novella, San Lorenzo, San Marco, San Croce, Olterno, San Ambrogio. Je suis à Florence aujourd'hui, mes chers amis, et c'est la folie. Donc, il y a trop à faire. Quartier Olterno, ça c'est pas mal à mon avis. C'est des petits trucs un petit peu pour flâner, des quartiers populaires comme j'aime. Donc, on va essayer de sentir l'atmosphère, on va essayer de sentir les gens, les petits marchés, les endroits comme ça populaires comme j'aime. Parce que bon, les églises, les musées, voilà, ça comme je dis, je ne suis pas guide touristique. Donc, on va aller découvrir ensemble tous ces merveilleux coins que nous allons essayer de découvrir. Donc, voilà quoi. San Maria Novella, San Ambrogio, San Marco, San Lorenzo. Là, c'est le petit marché. Ici, quartier populaire, là, le quartier de la fête. Et là, c'est le Duomo. Le Duomo, où c'est le quartier de la ville-musée. Et Santa Croce, hein, Santa Croce, je ne sais déjà plus Santa Croce. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va y aller. Allez. Mais c'était chouette d'arriver dans une toute petite rue après la cohue-bohue comme ça du pont et la folie, Hare Krishna qui dansait et tout, retrouver un petit peu le calme et la sérénité dans le petit, un petit bar avec le petit vin, avec un gentil petit monsieur. Voilà. Ebbene. Et questa è la rivista agricola dove parla all'interno. L'Università di Firenze forse avrà per l'Expo di Milano un piccolo spazio gratuitamente dove manderà le aziende giovani, dei giovani ragazzi. Giovani.
Okay, the last day. And finish the final. And the winner? Yeah. Aya Azul. Yes. Azzurro. E l'altra com'è? Azzurro, com'è? Due squadre. Azzurro, l'altra. Bianchi. Black. Black and black. Yeah, yes. It's a blue. Chi ha vinto? No, ancora no. Già sono da finire. E chi ha vinto? E dove passerà la competizione? Santa Croce. Santa? Croce. Croce. Ok, Santa Croce. Voi lo sapete come... Ça va être la guerre à Santa Croce. Non lo sai. Noi adesso lo andiamo a casa. Ha vinto la squadra dei tutori del pizzo. Sì, ma è cucinato. Bianchi. Ecco lui. Il capo. Non mi piace. Dai, questo lì. Io vado via, se sei cotto. Vieni, scusa. Santa Croce. A Santa Croce, ok, a Croce. Allora, qui c'è la basilica. Dietro la basilica, in questa parte, there is mercato Sant'Ambrogio. E per mangiare sì, tutto? Many, sì, piccoli, little restaurant, little trattoria. È popolare, sì, tanti coi. Sì. Okay. Grazie. Prego, grazie a te. Chers amis, premier constat, Florence est une ville géniale. Le parking aussi gratuit, je vous mettrai toutes les informations que vous savez vous garer gratuitement. On a pu dormir facilement aussi au-dessus, au même endroit, sans aucun souci, super calme. Petit clou du spectacle hier, on a eu droit aussi à un feu d'artifice, donc c'était vraiment chouette. Une superbe ambiance dans la ville, pas du tout malsaine, rien du tout, vraiment génial. Alors à un moment, je me suis aussi arrêtée pour boire un petit verre de vin et goûter un vin du pays. Dans une petite épicerie qui avait l'air super authentique. Et en fait, j'ai fait la rencontre d'un peintre et de son ami Mauro. Lui ne m'a pas donné son nom, il m'a dit que ça s'appelait Ali Baba, mais je pense que c'est un peu vis-à-vis de mon pantalon, il s'est un peu foutu de ma gueule. Et au final, bon, on a bu un verre, deux verres, trois verres. Au final, je parlais italien très bien. Quoi. Après trois verres de vin, on parle très bien italien, je vous confirme. Et donc c'est déjà une superbe rencontre. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, on va de nouveau à sa rencontre à 10h du matin. Donc c'est un peintre qui est sur le coin d'une petite rue. Je vous indiquerai la rue aussi. Et après ça, on ira au Mercato, voir un petit peu le quartier populaire, le Mercato Centro, voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Ici, les moustiques sont des vrais artistes à Florence. Ils vous sculptent. Il vous galbe, il vous gonfle, c'est rouge, sa peinture lure tout votre bras, ça chatouille et ça pique, et ça gonfle comme un duomo. C'est magique. Salpette ah. Et en plus, ça fait mal de chien, quoi. Ah.
con me. Oh! Ciao! Allora, come va? Ciao! Vieni! Ciao! Due! Due! Vieni! È mio personale, no? E a chi è il No, qui a me! Devo dire niente. Vieni! Et c'est une city qui facilite la photographie. Il y a beaucoup de gente, il y a beaucoup, comme ainsi, beaucoup de matière photographique. Il y a beaucoup de movimento. Si. Si. Mescla de tout. De... Ils posent même pas de questions, ils se cassent pas la tête, ils mettent carrément la photo de ce qu'ils veulent manger, quoi. C'est affolant. Ah ouais, ils veulent la photo sur son GSM. C'est stomach sandwich. Oui, stomach. Après d'autres. Stomach. Voilà, 3,50. C'est la technologie, la technologie. Excellent. Comment c'est l'avait l'ombre sur lui? Grazie, ok. Ecco, ecco, ho vederla. La misma cosa de là. Estaglietto due. Due. Tagliatelle de porchi con salsa verde, questo? Sì, sì, salsa verde, piccante. E il nome si chiama? Lampredotto. Lampredotto, sì. Ok, due allora, lampredotto. Fa piccante, eh? No piccante, sì. No piccante. Sì, sì, quello sì. Chiedi là le salse, chiedi al signore là, okay. Per le salse. Ok. Ma sono 7 euro. Alors notre ami peintre là nous a montré qu'il fallait manger ça au marché del mercato dal centro. Il fallait goûter ça avec du porc, un tagliatelle, donc c'est la façon comme c'est coupé, avec une sauce verte. On va goûter. Beef? Stomach. Stomach or beef? Stomach. On peut choisir entre le stomach ou beef. Je sais pas ce que c'est le stomach, l'estomac. Ça, je pense pas. Ou non, ça je prends pas, c'est tout gras. Che serioso, oh, come si corta, serioso, sì. Oh. È professionale. Molto importante. Molto importante. On sent tout le geste et la technique, tu vois, la technique. Tecnico, tecnica. Nerbone au Mercato Centrale, super bon. Si vous n'aimez pas la sauce piquante, demandez no picante, parce que la sauce rouge, elle arrache. Les deux chinoises qui avaient fait en photo l'hamburger qu'elles avaient demandé,
En fait, c'est des fanas de elles viennent de Shanghai, ce sont des fanas de nourriture, donc elles ont tous les plats et les endroits où il faut les manger dans leur téléphone, c'est affolant. Et donc elles viennent de Shanghai, c'était super sympa, on a mangé ensemble. Et la file ne désemplit pas, hein. C'est affolant. Donc depuis 1872, ils coupent les tagliatelles des porcs. Super bon. On se dirige vers Agrigemente.